L'homme est un microcosme, ainsi il existe en chacun de nous un temple, un lieu sacré qui siège dans nos cœurs. Or, nous constatons qu'en dépit de la destruction du temple, la sainteté du lieu n'a en rien été touchée. Nous pouvons dire que seules les pierres du sanctuaire devinrent la proie de nos ennemis, mais que l'essence du temple, c'est-à-dire la présence divine, ne quitta jamais Jérusalem. Il nous arrive aussi de rencontrer des individus chez qui, à l'évidence, leur sanctuaire paraît détruit ou délabré. Nous pouvons alors tomber dans le désespoir face à cette friche spirituelle que représentent a priori ces personnes. Heureusement, ce jugement est une grossière erreur. La sainteté et l'étincelle divine ne quittent jamais le cœur d'une personne, et c'est sur ses fondations éternelles qu'elle pourra, dès qu'elle le souhaitera, reconstruire son temple personnel.